le calendrier des Kiss My. Cette semaine, on va parler du calendrier des Chinese Junior Blue. Toujours dans la lignée des calendriers, donc comme je vous avais dit, j'ai acheté les calendriers des Kiss My et des Jonas Junior Blue pour cette année. Parlons des Jonas Junior. Oh, c'est mignon, regarde sur la boîte, c'est écrit Hello. Oh, oh. Mais bonjour messieurs, attaque de Stones, écoute, ça annonce la couleur. Oh, c'est mignon. Il y a des petits messages à dire My Love. Je sais pas encore qui c'est qui a écrit, on verra après. Des fois que vous auriez loupé la boîte, donc c'est une édition spéciale Potato. Potato spéciale édition. La dernière fois que j'ai eu un Potato spéciale édition, c'était le calendrier de l'année dernière des Johnny's West. Et c'était... Oh, non, mais sérieusement, pourquoi ils ont des pattes? Ah, mais oui, parce que c'est l'édition Potato. Oh, c'est la Potato spéciale édition. Douteux. J'espère qu'ils ont pas mis la jolie sueur avec les patates parce que ça va pas le faire. Donc quand on l'ouvre, hop là, les photos ici, avec un Stones là déjà qui vous accueille joyeusement. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah bah tu vois, celui-là il est en Rolodex. Ça c'est le dos du calendrier, donc avec les silhouettes et les noms. Et après donc de l'autre côté on a Travis Japan, Snowman. On a du budget mais pas trop hein. Là c'est le nom des juniors qui sont dans un calendrier. Il y a deux calendriers, donc rouge et bleu. Et oh, il y a deux. Oh, il y a des photos de chaque côté. Bonjour les Stones. Et donc de l'autre côté, c'est une page par semaine, mais on a deux photos en fait par semaine. Ensuite, on a Travis Japan là qui t'accueille joyeusement. Bonjour, bonjour, bonjour messieurs. C'est très charmante ça. Oh, ils sont choupi. Je sais pas qui c'est. Oh. Ouh, ouh, ouh. Wait. Il y a une agression de au couteau là. Attendez, qu'est-ce que... Oula. Oh, 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 oh. On a une page solo de Abby Chan. J'apprécie. De l'autre côté, on a les Snowman Onsen. Ah, bonjour Abby Chan. Abby Chan, ok. I see you, ok. Travis Japan, ça fait encore très Ice Cream Night. Oh, choupi. Mais bonjour vous. Mais on ne se connaît pas encore. Qu'est-ce que... Va falloir qu'on discute. Oh, Koji. Regarde Koji, comment il est choupi. Attendez, il y a les Snowman à moitié à poil derrière là. Qu'est-ce que... Mais enfin. On passe au Snowman. Très en forme les Snowman cette année là. On dirait chaud des arachis. Timmy Show. Karu en yukata. Travis Japan avec des petites oreilles. En mode furie. C'est très tendance. Oui. Oh, Miyadate. Date sa main au réveil. Ils sont à la plage, mais eux ne portent pas de tatane. Contrairement au Kiss My. C'est tout de suite moins funky. Hein. Oh. Je décide. Et après, on a des effets. Des effets en vie, on est collier. Il y a un enfant qui veut faire le ménage. Et après, on a un Travis Japan sous la douche. J'aime bien. J'imagine que c'est lui qui nettoie la douche après. Oh. Avec Julie, ils sont trop choupis. Ah, Kyomo et Julie, oh my god. Avec ce petit pull blanc tout fluff. Puis, on peut plus admirer du Stones tranquille, hein. On se fait directement attaquer par ça derrière. Je fais pas très jolie photo. Écoutez, on a les Travis Japan. I feel very attacked. Ok. Ok. Ok, Shin, ok. Et de l'autre côté, hop là. Ouh. Excusez-moi. Vous voyez ça là, vous voyez les Snowmen en yukata tranquillement en train de prendre le thé, tu vois. Moi ce que j'ai vu c'est ça. Ouf. Ouh, cette attaque de Travis Japan là, on the floor. On a un full combo là. Trop. My boy Jolly. Avec cette petite épaule négligée là. C'est très agressif le Stones en 2019, hein. Merci. Excusez-moi, j'admire Julie dans ce gang là. Nice. Oh, j'aime beaucoup cette photo par contre. Celle-là. Oh, bonjour Kyomo. Oula, attendez, j'ai sauté une page. Donc on avait un chibi show et là maintenant on a un chibi yabou. On a toujours des Travis Japan sous la douche. Moi ce qui m'intéresse c'est la page suivante là, c'est... Admirez-moi ce Kyomo là de toute beauté. Bonjour Kyomo. Oh, chou. Je n'en dirai pas plus. Ah, Julie.
septembre. 1er septembre. Pour mon anniversaire, j'ai Julie et Abetchan. Une petite joie du quotidien. Ça me fait bien plaisir tout ça. Ça me fait bien plaisir tout ça. Merci. Cela mène je ne sais quoi là. Page suivante. Hop là. J'aime beaucoup le set qu'ils ont choisi avec le look. Et Fuka. Et de l'autre côté, des gens que je ne connais pas. Désolé Kiko, pour ton anniversaire, nous n'avons pas Jessie. Oh, on a des... Qu'est-ce que... What the fuck. Oublie les snowmen là dans le onset. Monkey. Oh. Hop, les uniformes. Bon, déjà on a Noël. J'apprécie toujours une page avec Noël. Mais de l'autre... J'en connais une qui va kiffer. Désolée mon cher monsieur, je ne sais pas qui tu es. On retourne avec les Travis Japan. Ta-da-da. On repère sur les Stones là. Très joli. Sakuma. Nice. Bizarrement tu vois qu'il m'intéresse. Hein. Voilà, on va passer rapidement. Regarde ça, ils sont trop chou. Merci Snowman. Excusez-moi là, qu'est-ce que... Messieurs, s'il vous plaît. Bonjour Travis Japan. Excusez-moi, là j'ai été perturbée. Bonjour Cody. La version Fury des Snowman. Oh Mika. Pourquoi Date il a des grandes oreilles là tout de suite là? Ça sent le complexe hein, mon cher. Très dramatique là avec la grappe de raisin là. Oh il chou. Abitian avec le lamounet. Oh 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 oh. Ok. Contre-attaque de Stones. Ta-da. Je sais même pas en quel mois. Ah là on est en janvier, d'accord, ok. Les Stones. Oh, qu'est-ce qu'on est mignon, Kyomo. Faut pas faire la gueule les enfants là. Je peux plus regarder un Stones tranquille, qu'est-ce qui se passe là. Hikaru, j'aime beaucoup. Les effets. On dirait Mitsu, Chibimitsu. Très jolie cette photo. Ah la boue. Ouh Noël. Je suis distraite très facilement comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas. Au couteau à la pêche au moule. Magnifique, superbe, merci. Arrêtez de faire la gueule. Petit café. Daté dans le bain. Alors, pour les mocassins que porte Noël et la tenue full combo là, ce motif qui crache un peu à la gueule, ça fait beaucoup. Oh, c'est mignon, on dirait du chocolat. C'est censé être genre de la poussière, genre façon rebelle, on dirait juste du chocolat. Regarde, oh, ce combo parfait. Combo parfait. La version Fury des Stones. Sur un fond rose pétasse. C'est approprié. Chou. Oh, j'aime beaucoup la photo. Soirée pyjama. Woohoo. Très mignon avec les petites oreilles. Kiko et moi on a ce bandeau mais version noire. I see you. Admirez-moi ce Stones de toute beauté là encore. Le décor me fait penser un peu à un clip de Essay Jam. Regarde, y'a Shintaro avec le chat, mais regarde le chat, il tire la langue. Oh, le petit bout de langue du chat. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce look. Ouh. Après le singe des Snowman dans le onsen, on a la note musicale des Snowman. Oh bonjour, on est super classe, super sérieux, et paf. Donc un petit Snowman à poil, là, dans le lit. Après on a plusieurs collages. J'ai été distraite par Noël là, juste ici. Melting Pot. Vu que c'était la dernière page du calendrier. Ah, et après c'est des pages profil. Oh. Donc on commence avec Stones. Nice. Ils sont cute. Ta-da. Page de profil. Travis Japan. Hop là, attends. Travis Japan. Seven men, whatever. Johnny Junior. Ceux qu'on connaît pas encore. Enfin, qu'on connaît pas. Qui ont pas de unit, on va dire. Pourquoi ils ont mis en photo d'identité parce que pourquoi pas. Il y avait une page à meubler, j'imagine.
très sympa. Pour le coup, je préfère ce format là. Donc avec Rolodex, tu peux en fait tourner les pages une semaine à l'autre. Les photos sont super sympas. Il y a des photos qui sont plus cool, des photos un peu plus mignonnes, et il y a des photos what the fuck. J'aime vraiment beaucoup les photos what the fuck, tu sais, où tout le monde est en train de poser, elles sont super dark, super cool, et puis après t'en as un derrière en mode random. J'aime vraiment beaucoup. On n'a pas que ça, on a aussi un set de photos qui est juste là. Les cartes, les photos. D'accord, donc ils ont chacun écrit un petit message derrière leur... leurs photos. Et du coup c'est comme pour les Kiss My, donc c'est une carte par mois. Parce que là c'est pour le mois d'avril en fait. Snowman. Cute. Snowman. Travis Japan. Mon Dieu ces chaussettes hein. On peut en parler deux secondes là ou pas? Ah c'est mignon, c'est original. Donc évidemment chacun écrit dans sa couleur, la couleur de membre. Seven Men whatever. Désolé. Tu vois que la calligraphie n'est pas la même pour chaque groupe. Hein. Et ça, c'est les juniors. Les autres juniors. Oh mon dieu, ils ont mis les enfants, mais arrêtez quoi. Tu vois, c'est là que c'est fucked up. C'est là que c'est too much, tu vois, quand ils mettent des enfants. Ah, il est comme ça, les juniors. Il y a mon cousin Richard. Mon cousin. On a même un artiste là. Attends, on dirait Pikachu ou Mokona. Hi, hi, Jet. Tout le monde est en mode paysage, mais eux ils ont décidé qu'ils seraient en portrait. Attention, hein, c'est très jeune tout ça, ça devient illégal, hein, donc on va passer rapidement, hein, parce que... Merci, voilà. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez acheté des calendriers, ou si vous comptez les commander. Je vous mettrai en description les liens vers le calendrier des Kiss My de cette année et de l'année dernière. Si vous avez loupé les vidéos la semaine dernière, c'est Paris, c'est... N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Patreon. Je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer et à venir me stalker. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à la chaîne pour ne pas louper les vidéos. Et à la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?